Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super content de faire. Regardez ce que j'ai avec moi, une valise. Là il est 6h du matin, il est super tôt. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial. On va emmener tout le monde en vacances, voilà. Liros va rater l'école, tout ça. Enfin, ils savent même pas où est-ce qu'ils vont partir. Donc moi j'ai préparé ma valise. Je leur ai tous donné rendez-vous à 6h. Je leur ai dit à 6h tout le monde doit être réveillé, tout le monde doit avoir fait sa valise. Je vous dis pas où on part. Il y a Lily Rose qui vient, le cousin relou, Peppa Pink, il y a même Jérémy qui vient. Voilà, donc Jérémy va arriver. Donc là je vais aller réveiller Lily Rose pour lui annoncer où est-ce qu'on part. On va prendre l'avion et on va aller à New York carrément. Donc là il y a 8 heures de vol, je crois 8-9 heures de vol en avion, ça va être fou. Il faut qu'on parte très vite. Donc les amis, c'est parti, je vais lui annoncer ça. Lily Rose, Lily Rose. Elle répond pas. Lily Rose, t'es prête? Oh non! Elle s'est pas réveillée! Mais Lily Rose! Attendez, je vais allumer la lumière. Lily, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais je t'avais dit qu'il fallait. Oh, Peppa Pink? Mais qu'est-ce que tu fais là? Peppa Pink! Eh oh! Réveille-toi! Non, mais on a un avion! Peppa Pink! C'est pas possible! Non, mais il faut toujours que ça tourne mal dans cette famille! En plus, hier soir, je leur ai dit, préparez vraiment votre valise parce que là, on n'aura vraiment pas le temps. Bah, ça, c'est la valise de Lily Rose. Ah oui, elle est prête, elle est lourde. Ouais, elle est lourde. La valise de Lily Rose est prête, mais pas de Lily Rose en vue. Où est-ce qu'elle est? Bon, c'est pas grave, je vais réveiller les autres. Je réveillerai Peppa Pink en dernier. On sait jamais, peut-être qu'il est très fatigué. Bon, le cousin. Le cousin. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais c'est pas possible! Non mais... Eh oh! Non mais vous vous êtes endormi à quelle heure pour faire ça? Eh! Le cousin! Qu'est-ce que tu fais? En plus il s'est endormi dans une position là. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh oh! Ils veulent pas se réveiller. Bon, c'est quoi ça? Attendez les amis, il y a un truc bizarre là. Je vais allumer la lumière. C'est quoi ce truc? Non mais on dirait un petit verre là avec du liquide bleu à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ok. C'est super bizarre. Bon, j'espère qu'il s'est rien passé de bizarre cette nuit. Parce que sinon, ça va très mal aller pour la personne qui a fait ça. Parce que là, j'ai dû acheter tous les billets d'avion, etc. Attendez, c'est quoi ça? Ne pas... Attendez, c'est écrit quoi? Ne pas boire la potion bleue. Signé LS. C'est qui LS? Mais oui, LS. La... Ça veut dire la sorcière. Oh, non, c'est pas possible. Attendez, je vais aller voir. Peppa Pink, réveille-toi. T'as pas bu la potion, j'espère. Peppa Pink. Oh non. Regardez. Lui aussi, il a une potion. Bon, Peppa Pink, t'inquiète pas. Je vais essayer de te sauver pour qu'on parte à l'heure. Bon, écoutez, là les amis, à mon avis ce qui s'est passé c'est que la sorcière hier elle a dû leur donner à chacun une potion. Je vais aller la chercher celle-là, elle est en train de gâcher mon voyage. Et c'est normal, si Lily Rose a bu la potion, peut-être qu'elle s'est endormie à un autre endroit. Lily Rose, t'es quelque part? Tu t'es endormie où? Heureusement que Jérémy a pas dormi ici, il a dormi chez lui, normalement il devait venir en voiture. Ah, lui, au moins, il va pouvoir m'aider s'il arrive assez rapidement, s'il n'est pas en retard. Eh oh! La sorcière! Ah! Alors, il est où? Mais il est où? Oh là 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 là! Eh! Mais je suis confus! Eh oh! Ah, qu'est-ce que t'as là, Esteban? Ça va? Oui, bah ça va, non, ça va pas. Oh là là, je retrouve plus mon bocal de crapaud! Tu cherches quoi, ton bocal de crapaud? Ouais, pour faire ma potion! Écoute, j'en ai marre de tes potions. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça te dit rien, la potion bleue? Bah oui, c'est une potion qui fait dormir, enfin je crois. Et ça te dit rien, tu l'as pas donnée à quelqu'un hier? Bah non, elle est là, quelque part, attends. Bon, déjà, tu vas m'expliquer pourquoi t'as mis le bazar dans tous les cartons. Non mais regarde, c'est le bazar, il y a une pièce énorme, on t'a donné une pièce énorme, t'as fait le... Oh. Oui, mais j'ai ramené tout ça, c'est pour faire des expériences. Alors,
Tu vois, c'est des cartons, comme ça je vais pouvoir faire fabriquer des chaises. Oui, bon, allez, écoute, ouais, je m'en fiche de ce que tu vas fabriquer. Je vais t'expliquer la situation. Aujourd'hui, on devait partir en avion. Ah, je peux venir avec vous? Non, on devait partir en avion à New York. Ah. Avec Lily Rose, Peppa Pink. Il reste une place. Le cousin relou. Il reste une place pour moi. Et tu leur as donné la potion bleue. Bah non, c'est pas moi. Bah c'est je l'avais posé sur la table. Et j'avais mis surtout ne pas boire. Bon, viens voir. Quoi, écoute, on a un très gros problème. Là, il est 6h05 du matin. Ouais. On doit partir à 6h30. Sinon, on sera pas à l'heure pour l'avion. OK? Le problème, c'est que tout le monde a bu ta potion bleue. Alors, je sais pas si c'est toi qui leur a donné ou pas. Bah non, c'est pas moi. Bah on fait comment alors? Non, c'est pas moi. Non mais tu te moques de moi là. Non, c'est pas moi, je te promets. Non mais t'as encore une fois gâché. Non, bon, les amis, quand je vous dis que la sorcière est infernale, des fois t'es gentil, mais des fois t'es infernale. Tu te rends compte qu'à cause de toi, on va rater l'avion. Et t'en as pas bu, bon, écoute, viens. Viens, je vais te montrer quelque chose. Et t'as intérêt à savoir régler le problème. Parce que sinon, ça va très mal se passer. Bon, les amis, j'espère qu'elle connaît une potion, enfin, ou un sort pour enlever le sommeil, là, parce que c'est pas possible. On va essayer ça sur le cousin relou. Allez, viens ici rapidement. Regarde. Ne pas boire la potion bleue. Regarde-moi ça. Alors. Regarde. On fait quoi maintenant? Il a bu la poisson bleue, hein, regarde, il en reste plein. Il en reste plein dans le verre. Donc il a dû boire, allez, une goutte, deux gouttes. Ça suffit pour s'endormir. Bon, comment on fait maintenant? Il faut que tout le monde soit réveillé dans, allez, 10 minutes maximum. Alors c'est très simple. Regarde, avec mon doigt, je le mets sur son nez. Et tu vas voir, il va se réveiller. Il suffit de mettre une petite formule magique. Oui, bon, allez, dépêche-toi. Réveille-toi! Ah mais moi c'était simple! Ah, la sorcière, c'est elle! C'est elle qui m'a fait boire ça! Ah! Mais non, c'est pas moi! C'est elle! Plus jamais je bois ça! C'est elle qui t'a forcé à boire ça! Viens ici! Mais oui, j'ai fait que des cauchemars en plus! Ah. Hey. C'est quoi ça? Mais c'est toi qui as dû écrire ça, ne pas boire la potion! Mais apparemment, c'est toi qui leur a donné! La sorcière! Bah oui! Alors? J'avais prévenu! Bon, maintenant on va faire ça avec Peppa Pink là. Et après, pars! Et tu vas me dire où est Lily Rose aussi. Bon, il est où Peppa Pink? Peppa Pink, il est dans la chambre de Lily Rose. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il fait là. C'est une menteuse, hein. Elle a dû écrire ça après m'avoir fait boire la potion. Non, mais je sais qu'elle ment. Bon, faut surtout pas toucher à cette potion là. Ah bah oui, plus jamais. J'espère que Peppa Pink va se réveiller. Et bon, après les amis, il va falloir chercher Lily Rose parce que bah on peut pas partir sans elle quoi. Et Jérémy va arriver, bah non, je sais pas où elle est. À mon avis, elle a bu la potion et elle s'est endormie quelque part. Lily Rose, t'es là? Non mais ça va pas. Lily Rose? Lily Rose, elle est pas dans la cachette gaming. Je sais pas où elle est. Bon, elle est où du coup? Ah, Peppa Pink. Peppa Pink. Ils sont votre... Oui. T'as pas vu Lily Rose? Non, mais je viens de voir la sorcière là. Je sais pas ce qu'elle a fait avec mon nez et elle a rigolé. Allez, dépêche-toi. C'est pas nous de partir. Ta valise est prête? Oui, elle est prête. Elle est juste. Lily Rose, elle est où? Ok. Vas-y, prends le sac. Allez. Bon, les amis, Jérémy va arriver là. Je pense dans 2 minutes. Nous, on doit absolument chercher Lily Rose. Maintenant, on sait comment faire pour la réveiller. En attendant, j'espère qu'on aura l'avion. Sinon, bah, tant pis, le voyage est annulé. Il n'y aura pas de vidéo sur ça. J'espère que cette vidéo vous a fait rire, qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche si vous vous abonnez. Et en attendant, vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît juste là pour la voir dès maintenant et rigoler un maximum. À la prochaine. Ciao.